Je retiens. À partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, les premiers États, ainsi que les premières formes d'écriture, apparaissent au sein du croissant fertile, en Mésopotamie et en Égypte. En Mésopotamie, les États prennent la forme de cités-États peu étendues. Chacune est dirigée par un roi. En Égypte, le pharaon domine un vaste royaume. Ces deux types d'États ont des points communs. Tout d'abord, le territoire est soumis à l'autorité d'un chef incontesté, un roi ou un pharaon, qui est considéré à l'égal d'un dieu. Par ailleurs, la société est organisée et hiérarchisée. Les scribes sont à la tête de cette société. Il existe des lois qui déterminent les règles à respecter. Enfin, une religion polythéiste commune est partagée par la majorité des habitants.